Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un petit, enfin quand même assez gros haul Primark. Donc je suis allée à celui de Créteil Soleil donc ce matin avec ma petite soeur. On a fait pas mal d'achats, donc bah, ce qu'elle a acheté, je peux pas vous montrer parce qu'elle est partie avec. D'ailleurs, je lui ai trouvé deux petites veilleuses en fait, une en forme d'ananas et une en forme de flamant rose en fait, qui était à 3 euros pièce, donc elle était super contente. Et je lui ai aussi acheté un stylo bic avec au bout une petite licorne qui était à 1,50 €. Je peux pas vous les montrer ce qu'elle est partie avec, mais franchement c'était trop mignon. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris moi. Donc j'ai pris notamment pour donc moi, un peu pour Kisha et pour mon mari. Pour les garçons, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Après ça, leur armoire est déjà bien bien remplie. Donc je vais vous montrer tout ça de suite. Donc j'ai pris le ticket, mais normalement je ne vais pas en avoir l'utilité. Il y a juste un gros truc que je ne peux pas vous montrer dans mon bureau parce que ce ne serait pas pratique du tout. Donc j'ai trouvé une valise en fait rose, mais rose fuchsia pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Donc soit maintenant. Alors, pendant que mon mari est en train de s'occuper de Sohan qui se réveille de la sieste. Donc je vous montre la valise. Donc franchement la couleur, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais c'est vraiment un rose fuchsia. Donc voilà, donc clairement je me suis fait plaisir parce que c'est moi qui vais l'utiliser puisque je dois partir donc 2 jours avant puisque mon mari bah, il s'est planté au niveau de ses congés. Donc je me suis dit je vais prendre un truc qui pète, comme ça je la reconnaîtrai bien. Donc ce qui est cool c'est qu'elle a 4 roues, donc vous voyez elle peut tourner sur elle-même, donc ça va être quand même assez pratique. Donc il y a une poignée ici hein, comment dire, pour l'utiliser quoi, pour la manipuler, voilà. Et ce qui est super bien aussi, c'est qu'en fait, vous avez une fermeture ici, vous savez, pour gagner en fait un petit peu encore au niveau de la contenance. Donc ça, c'est cool. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer ça. Voilà, les bêtises de mon mari. Bon, vous voyez comme quoi elle peut contenir un enfant. Donc vous avez un premier... Coucou les mouches! Donc vous avez un premier grand compartiment ici. Et ici, donc vous en avez un second en fait que vous pouvez... Ah non, c'est de l'autre côté. Ici, donc vous avez, pardon, un grand compartiment que vous pouvez attacher, vous savez, pour pas que les vêtements bah, se barrent, hein, très clairement. Et du côté où Monsieur Son est installé, en fait, vous pouvez ici fermer, vous voyez, tout le tour. Pour bloquer les vêtements, et vous avez aussi des petites pochettes ici, donc franchement elle est pas mal, et surtout elle est hyper hyper légère, donc ça c'est cool parce qu'on avait repéré un autre modèle mais qui était un peu plus lourd, donc voilà, donc je suis très contente. Soit à la fin de la vidéo en fait je vous mettrai une petite séquence où je vous la montre, franchement elle est trop trop belle, hyper pratique, et elle était donc à 45 € et ma soeur a pris la même en vert qui pète aussi. Et comme ça je vais pouvoir mettre d'ailleurs dessus, est-ce que je vais ici, je m'étais pris une comme ceci, bah, qui vient aussi de chez Primark, une étiquette à bagages comme ça, donc je vais pouvoir la mettre bah, sur ma nouvelle valise, puisque bah, cet été, je vais partir donc 2 jours avant mon mari avec les enfants, donc j'avais vraiment besoin d'une valise pratique, pas trop lourde et qui puisse contenir quand même pas mal de choses, et du coup, bah, je mettrai ça dessus après. Donc bref, revenons-en au mouton. Donc pour mon mari, il voulait que je lui trouve une petite veste en coton zippée en fait, donc je lui ai pris vraiment une classique en fait, donc elle est noire comme ceci, manche longue, donc je pense qu'elle est assez chaude mais pas trop, et franchement elle était pas chère du tout, elle était à 11 € je crois, oui c'est ça, 11 €. Il y avait un modèle aussi soldé à 6 €, mais c'était un espèce d'oranger un peu rouille, et mon mari quand même assez classique, donc je pense que ça lui aurait pas spécialement plu, donc j'ai pris un basique, un noir, et voilà, franchement 11 € ça va quoi. Ensuite j'ai pris, donc ça c'est pour Kisha, donc j'ai trouvé ce petit t-shirt noir comme ceci, donc avec le roi lion dessus, donc très joli avec au niveau de la couronne comme ça, c'est tout doré, donc elle l'a pas encore vu puisque là elle est partie à Disney avec mon autre petite soeur et sa petite fille, donc franchement elle est très mignon, je lui ai pris en S, puisqu'elle m'a dit qu'en XS maintenant ça commençait à devenir un peu juste, donc j'espère que ça va aller, donc il était à 5 €, franchement 5 €... plutôt cool je trouve, en tout cas par rapport à d'autres enseignes qui des fois proposent des articles floqués comme ça. Ensuite donc ça c'est toujours pour Kisha, je lui ai pris un pyjama en fait floqué Daisy, donc bah, de toute façon je vais le défaire, donc à chaque fois c'est bien présenté, vous avez un petit ruban, c'est pour offrir, ça peut être sympa, et en fait il vous montre bah, comment se fait l'ensemble, donc avec un t-shirt et un short. Donc je lui ai pris en S, alors pareil j'espère que ça va lui aller parce qu'elle m'a dit de lui prendre du S. Mais elle me paraît tellement menu, donc je vais retirer ça. Donc j'espère vraiment que ça va lui aller. Et l'ensemble était à 9 € il me semble. Ouais, c'est à 9 €.
Donc après, les t-shirts, elle des fois, elle les porte avec un jean tout simplement, hein, franchement, comme beaucoup d'ailleurs, ça fait pas non plus spécifique pyjama, et franchement, le t-shirt est trop beau, donc c'est avec Daisy comme ça dessus, il est légèrement pailleté, franchement, il est super chouette. Et au niveau du short, il se présente comme ceci, donc c'est un petit short un peu vert d'eau, donc avec plein de têtes de Daisy, puis un petit nœud rose donc au niveau de la taille, donc ça je me dis par exemple, partir en vacances, voilà, ça peut faire un petit ensemble assez sympa, notamment s'il fait très chaud, ce qui devrait être le cas, parce qu'on part à côté de Perpignan, donc normalement ça devrait le faire. Ensuite, pour moi, je vous la montre, donc j'ai pris une culotte, donc la Belle et la Bête, moi c'est un dessin animé que j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup les anciens Disney en règle générale, donc elle est grise comme ceci, donc avec les personnages dessinés dessus et les étoiles, évidemment, dorées, donc très très chouette, et elle est toute rayée. Voilà, le genre de truc que j'aime beaucoup, les rayures, les petites touches de doré, les étoiles, et donc elle était à 3 €, donc moi les culottes chez Primark, je les prends en S en général, parce que je trouve qu'elles ont tendance à se détendre, donc c'est plus, enfin je trouve ça plus agréable à porter, donc voilà, franchement très joli pour 3 €, très bien. Ensuite ça c'est pour moi, je me suis trouvé un t-shirt justement, la Belle et la Bête, donc il est rose comme ceci. Donc les écritures sont en doré pailleté, vous avez aussi une petite rose reprise ici un peu en relief. Et donc la belle et la bête dessinée avec plein d'étoiles dorées, franchement très jolie. Et celui-ci il était à 7 €, donc je trouvais que pareil 7 € c'était assez raisonnable. Donc voilà, donc je suis très contente. Il est plutôt joli sincèrement et je me dis voilà pour cet été, ce sera parfait quoi. Donc voilà, voilà. Ensuite, donc ça c'est pour moi. Ouais, taille M, donc c'est pour moi. Donc je me suis pris pareil un ensemble short t-shirt. Donc je me suis dit pareil pour cet été, partir en vacances, ça pourrait être sympa. Alors je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Toujours le petit ruban. Donc le t-shirt se présente comme ceci. Donc il est beige, donc avec Bambi et Pampan avec marqué Sweet Dreams. Donc effectivement, ça fait penser à la nuit. Mais pareil, après moi ce genre de t-shirt, sur ce genre de t-shirt, comme beaucoup d'entre vous, je me prends absolument pas la tête. Si on les porter dans la rue, je le fais sans hésiter. Donc pareil, toujours avec les petites étoiles. Évidemment, celles qui me connaissent, vous savez que voilà quoi, les étoiles. Et cette fois-ci, c'est des étoiles un peu rose dorées, donc très très jolies. Et au niveau du short, donc il est comme ceci. Donc cette fois-ci un peu rose. Avec donc Pampan et Bambi dessinés, des étoiles et un petit nœud gris, donc au niveau de la taille. Et donc pareil pour 9 € l'ensemble, même pour une idée cadeau, c'est plutôt chouette. Ensuite j'ai pris celui-ci, et celui-ci c'est pour moi aussi. Donc pareil, toujours à 9 €, et cette fois-ci donc c'est sur le thème le livre de la jungle. Je sais pas si Maurice fait le focus, de toute façon je vais vous montrer, donc toujours le ruban. On ne change pas une équipe qui gagne, il n'y a pas de zigoui, bon ils vont de toute façon finir par tomber. Donc là, le t-shirt est de couleur gris, donc là c'est pareil, hein, c'est noir, noir pailleté. Et donc vous avez Balou et Mowgli en fait de dessiner. Franchement, ils sont super beaux les t-shirts, ils ont l'air de très très bonne qualité, donc je suis très contente. Franchement, pour 9 € l'ensemble. Et vous avez donc le petit short, je vais essayer de le mettre, voilà, comme ceci. Donc avec Balou et Mowgli et donc le petit nœud rose au niveau de la taille. Donc pareil, 9 €. Ensuite, je me suis pris un autre ensemble et cette fois-ci, il était à 7 €. Donc toujours, je prends toujours en taille M. Hop, donc la Belle et la Bête. Donc cette fois-ci, l'ensemble est constitué d'un débardeur comme ceci. Donc gris avec les bretelles roses en fait. Ah, je vais essayer de bien le mettre. Je vais y arriver. Et dessus, donc, vous avez la Belle, en fait, avec marqué Total Princess dessus. Toujours avec tous ces détails pailletés. Franchement, je le trouve très, très joli aussi. Et donc, un petit débardeur comme ça. Voilà, pour traîner, par exemple, au camping, ça peut très bien faire l'affaire. Et le short, il est trop beau. Donc, il est comme ceci, avec plein de roses, en fait, et des étoiles dorées et pailletées. Donc voilà. Donc franchement très très chouette. Et le petit nœud pareil au niveau de la taille. Franchement très joli. Et là 7 € l'ensemble. Ensuite ça c'est toujours pour moi. Je me suis gâtée.
Donc c'est un bas de pyjama, donc cette fois-ci je l'ai payé donc 10 euros et c'est comme vous voyez le petit coquillage, c'est sur le thème de Ariel, c'est un dessin animé que j'aime aussi beaucoup, notamment au niveau des musiques, je trouve qu'il est très chouette. Donc il est resserré au niveau de la taille, donc avec un petit ruban, moi j'aime beaucoup ces pyjamas là, je vous en avais déjà parlé, ceux qui sont comme ça resserrés en bas. Et franchement il est très très chouette, donc là sur la cuisse vous avez donc Ariel de dessiner comme ça. Avec plein de paillettes là, des même pas c'est des sequins en fait, c'est cousu, c'est des sequins. Franchement super super joli quoi. Et tout le long de la jambe comme ça vous avez une écriture en brillant argenté. J'ai vraiment un coup de cœur quand je l'ai vu et je me suis dit bon, puis moi j'y vais pas non plus hyper souvent. Donc je trouvais que 10 euros c'était quand même assez raisonnable par rapport à la qualité et à la beauté du pyjama quoi. Donc très très bien. Ensuite, donc ça c'est pour Kisha. Donc Kisha m'a demandé une veste en jean, j'ai pas trouvé malheureusement. Et sinon elle m'avait parlé d'une chemise en jean, donc j'en ai trouvé une. Donc elle m'avait dit la prendre un peu plus grande, donc j'ai pris 34, on verra 7 heures, j'espère que ça va lui aller. Elle était un peu en promo, elle était à 9 euros au lieu de 11. Bon, bah, c'est toujours ça de prix, hein, 2 euros de moins. Et franchement elle est super belle, vraiment j'ai failli m'en prendre une. Elle est vraiment très très belle. Donc elle est comme ceci, la matière est vraiment de super bonne qualité. Donc avec plein de petits boutons nacrés en fait. Et elle est un petit peu, vous savez, bien dessinée au niveau de la taille. Franchement, très très chouette quoi. Sincèrement, franchement, même 9 euros, je suis étonnée parce que je vous dis la qualité, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc j'espère sincèrement avec deux petites poches que ça va lui aller. Parce que voilà, bon, si c'est un peu grand, c'est pas très gênant. J'espère que ça peut être trop petit, mais bon, je pense pas quand même. Non. Ça devrait lui aller là. Franchement, très très belle. Ça, c'était une belle trouvaille. Ensuite, ça c'est pour moi encore. Donc pareil, hein, toujours pareil, je me suis pris pas mal de pyjamas. Moi, c'est des trucs que je prends beaucoup quand je vais chez Primark. Donc là, c'est sur le thème de. Il fait focus, lui. Pas sûr, hein. Maurice. Maurice. Bon, il a l'air fâché. On va pas l'embêter. Donc, de toute façon, je vais vous le défaire. Donc, cette fois-ci, c'est sur le thème de la petite sirène. Hop. Donc là, vous avez un t-shirt bleu marine, en fait, avec donc la petite sirène dessinée. Toujours les écritures comme ça, un peu en paillettes. Pareil, et franchement, il est super joli, quoi. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est l'occasion, hein, franchement, de payer pas trop cher ce type d'ensemble, parce que là, pareil, c'était 9 euros. Et le short, il y a encore plein de bitonio. Oh, hop. Et donc là, c'est avec des coquillages, donc dans les tons bleu-bleu turquoise, donc avec le petit nœud bleu au niveau de la taille. Franchement, 9 euros l'ensemble, sincèrement, des cadeaux. Ensuite, ça c'est pour moi, donc je me suis pris pareil un lot de deux culottes, donc là c'était 4 euros les deux culottes, donc la première elle est assez simple comme ça, elle est rose avec un petit nœud, avec ici la petite tête de Bambi, voilà, je crois que 4 euros les deux culottes, ça allait quoi, et la seconde je la trouve trop jolie, elle est comme ceci, donc blanche, et puis vous avez plein de Bambi, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est qu'ici c'est un peu froncé, vous voyez, puis il y a un petit nœud, c'est super chouette, d'ailleurs ça le fait aussi sur la rose. Donc je trouve ça plutôt sympa, donc vous avez un nœud devant, un nœud derrière, et plutôt cool. Ensuite, ça c'est pour Kisha. Oh, attendez, il y a un truc qui s'est agrippé, c'est quoi ça? Alors, qui c'est qui accroche? Voilà, donc ça c'est pour Kisha, donc pareil, toujours le même concept. Ensemble, t-shirt, short, pyjama, donc j'espère vraiment que ça va lui aller, parce que j'ai suivi ce qu'elle m'a demandé, donc du S. Et donc là, l'ensemble doit être pareil à 9 euros, je pense. Ouais, c'est ça. Donc cette fois-ci, vous avez un t-shirt. Alors, je pense que la caméra va pas du tout lui rendre justice, Maurice. Mais c'est un corail fluo, quoi. Et donc, vous avez une grosse tête de Stitch comme ça dessinée dessus. Alors, franchement, en lui choisissant, j'ai pensé à Mélanie. Mais c'était histoire qu'on n'ait pas les mêmes. Parce qu'après, c'est casse-pied. Donc voilà, je sais que Kisha aime aussi beaucoup Stitch, moi c'est pas un personnage que je l'aime bien, mais c'est pas, voilà, pas un coup de cœur. Et voilà, il y a un fil qui traînaille, hop. Et franchement, je me suis dit pour elle cet été avec sa peau métisse, le fluo, ça lui va forcément particulièrement bien. Et le short se présente comme ceci, donc avec plein de Stitch, des petites fleurs justement fluo et ce petit nœud fluo. Et je pense que Maurice lui rendra absolument pas justice. En plus aujourd'hui il fait super beau, il fait super chaud, c'est un truc de fou, il fait 30 degrés.
Ensuite, j'ai pris pour mon mari des basiques à 2,50 € qu'il m'avait demandé, donc en taille M, où je lui ai pris un bleu. Moi, j'appelle ça le bleu Superman, donc basique 2,50 €. Du coup, j'y en ai pris un deuxième comme ceci, donc en gris. Voilà, ça, c'est les basiques enfin, voilà, qu'il utilise assez souvent. Et pour finir, je lui ai pris un bleu comme ça, navy, là, enfin un bleu marine. Et ensuite, on va finir par les accessoires. Alors, tout d'abord, j'ai pris deux paires de tongs, donc à 1 euro. Donc, 1 euro la paire de tongs, donc 1 euro, j'imagine bien qu'elles vont pas me faire là une vie, hein, mais d'un côté, c'est pas ce que je leur demande. Ce que je leur demande, c'est de tenir le choc une semaine au camping. Donc voilà. Donc j'ai pris une paire de rayés comme ceci, avec une touche de rose un peu pastel. Donc pour Kisha ou pour moi, peu importe, Kisha choisira et je prendrai l'autre paire. Et la seconde que j'ai pris, donc c'est celle-ci, donc avec des encres marines comme ça. De toute façon, on les verra par une fois portées, j'ai envie de vous dire. Il y en avait d'autres, moi j'avais repéré un modèle avec des ananas et un autre avec des flamants roses. Je ne les ai pas trouvés, mais d'un côté, je pense que je ne les aurais pas prises malgré tout, parce qu'à 1 euro, une fois qu'on a le pied dedans, on ne voit plus. Et pour aller enfin, du mobil-home jusqu'à la piscine, c'est très bien 1 euro. J'ai pris pas mal de cartes et de bricoles. Donc j'ai pris notamment une carte d'anniversaire. Comme ceci, il y a marqué Born to be Sparkle. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être paillette. Ou étoile. Non, paillette, je dirais. Quelque chose comme ça. Donc avec mini, toute pailletée. Donc avec l'enveloppe avec. Donc c'était 1 euro. Je me suis dit que voilà, toutes mes nièces. Même si j'en ai acheté pas mal chez Action. Voilà, pour 1 euro, je me suis dit je vais la prendre. Ensuite, j'ai pris celle-ci où il y en a deux apparemment à l'intérieur. Bah écoutez, on va ouvrir ensemble comme ça, on va bien voir. Donc c'était 90 centimes et c'est celle-ci qui m'a fait craquer, mais on va ouvrir parce que du coup il marque tout. Alors je sais pas ce que ça veut dire tout, tout carte ou tout avec l'enveloppe. Ah ouais non, il y a bien deux cartes. Donc vous avez une enveloppe dorée, donc avec cette jolie carte comme ceci. Franchement j'ai trouvé trop trop belle, donc voilà, je me suis dit pour écrire un petit mot, bah, ça pourrait être très sympa. Et ensuite, vous avez une enveloppe rouge et cette fois-ci, vous avez celle-ci, Make Today Ridiculous, bon, bref, hein, ridiculement fantastique. Voilà. Je l'aime un peu moins, mais bon, je me dis, voilà, ça peut faire une petite carte sympa quand même. Hein. Ensuite, gros coup de cœur. Ça, j'en ai pris 3, je crois. Donc, pareil, c'est des cartes d'anniversaire comme ceci, avec une grosse licorne dessus, comme ça, un peu en relief. Donc, avec une enveloppe rose, pareil, elle est rose pétante. Je pense que Maurice ne lui rendra pas justice. Et pareil, elle était à 1 euro, donc du coup j'en ai pris 3. Voilà, je me suis dit, je vais en mettre une de côté, je pense, pour l'anniversaire de ma soeur, même si c'est pas maintenant. Et puis j'en garderai une pour moi et puis une certainement pour quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai pris deux cartes comme ceci. Donc vous verrez ça plus tard, parce que moi j'ai déjà vu Ilan, pas encore, mais il a reçu des cartes d'anniversaire. On a reçu une comme ceci et je l'ai trouvée vraiment trop belle. Et je me suis dit, punaise, j'aurais bien trouvé le même style pour mes deux petits neveux. Et je l'ai trouvé à Primark et franchement, bah, je suis trop contente. Donc voilà, avec plein de personnages Star Wars. Donc ça, je sais que ça va beaucoup plaire à mes deux neveux. Donc j'en ai pris un pour chacun. Donc franchement, et je savais pas du tout qu'ils faisaient ça à Primark, mais franchement, très très belle. Ensuite, pareil, j'ai repris un set comme ceci. Donc, pareil, je vais vous montrer d'où. Donc là, c'est 90 centimes et deux cartes. Donc là, vous avez toujours... Ah ben là, vous avez deux enveloppes dorées. Donc deux enveloppes dorées. Donc la première carte, pareil, je l'ai trouvée trop trop belle. Rayée comme ça, c'est marqué en doré, follow your dreams. Donc poursuit tes rêves. Voilà, je vous dis, franchement, très très chouette. J'espère que moi, il se fait le focus, parce que je ne vois absolument rien. Il fait très très beau aujourd'hui, très très chaud. Donc j'espère que ça le fera. Et celle-ci a marqué Enjoy the Little Things. Et pareil, j'aime beaucoup. Elle est plus simple que l'autre, mais je la trouve très sympa aussi. Et j'aime beaucoup le message, en espérant que Maurice soit sympa. J'ai un doute affreux parce que je ne vois absolument rien. Et pour finir, pour mademoiselle Kisha, je lui ai pris une étiquette aussi à bagages. Puisque celle qui avait suivi mes vlogs du mois de décembre... par rapport à mon boulot, l'un des cadeaux qu'elle avait choisi par rapport à l'arbre de Noël, c'était justement une valise blanche dont elle va certainement servir cet été, puisque bah, du coup il va falloir que Kisha et moi on gère les bagages, les deux garçons, la poussette et tout.
Donc je me suis dit qu'une étiquette pour que la valise soit bien étiquetée justement et qu'on n'ait pas de problème à bord du train, c'est quand même mieux. Et je lui ai pris celle-ci, je pense qu'elle va beaucoup lui plaire. Donc c'est un cœur comme ceci avec un smiley, un petit cœur, vous avez aussi un ananas, je pense que ça devrait beaucoup lui plaire et c'était 1,50€. Donc voilà, et je crois que c'est tout, enfin ce qui est déjà pas mal. Donc je suis très très contente de tous mes achats, de tous mes trouvailles, même si avec ma soeur on a beaucoup rigolé parce qu'on s'était fait des wishlists et qu'on n'a absolument pas du tout trouvé ce pourquoi nous étions allés à Primark. Et juste pour info, donc au Primark Créteil, on a demandé pour les tasses, attends je vous montre, comme ceci. Donc vous savez, c'est ces fameuses petites tasses qui sont vendues 5€ chez Primark, qui ressemblent beaucoup à celles vendues à Disney Store. Mais je crois que celles de Disney Store sont beaucoup plus petites en fait. Donc elle est très très belle. Hein. Franchement, avec même le petit détail ici. Donc on a demandé ce que je voulais en prendre pour des amis. Je m'étais dit même pour un concours, ça pourrait être très très chouette. Sauf qu'en fait, la dame, ils en avaient reçu une semaine auparavant. Donc il y a une semaine. Elles sont parties comme des petits pains. Et la prochaine livraison ne serait prévue que dans 6 semaines. Donc voili voilou, donc si au cas où vous êtes près de Créteil, si vous y allez au Primark, profitez-en, mais n'allez pas exprès pour ça. Apparemment, ils en recevraient pas donc avant 6 semaines. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Et en attendant une prochaine, je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. Ciao !